Bonjour à toi qui m'écoutes. C'est un plaisir de se retrouver entre enfants de Dieu, entre sanctifiés de Dieu en ce matin. C'est une grâce également de voir le jour ensemble aujourd'hui. C'est pourquoi, en reconnaissance pour tous les bienfaits de notre Dieu, nous entrons dans sa présence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce jour où l'Église commémore tous les fidèles de faim, tous ceux qui nous ont dévancés dans ta gloire, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour la vie de tous les défunts de nos familles respectives. Te rendre grâce, Seigneur, également pour chacune de nos vies. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Et c'est en fêtant ces défunts, Seigneur, que nous nous rendons compte du privilège et de la grâce que c'est que de vivre, d'être vivant, d'être en santé, d'avoir une famille, d'avoir autour de nous des gens que nous aimons. Certains sont morts, certains sont dans l'agonie, certains sont sur le point de mourir. Mais à nous, Seigneur, tu nous fais la grâce d'être là, d'être dans ta présence et de t'écouter. Alors reçois notre action de grâce, reçois notre merci, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons également penser à eux. En étant reconnaissants, nous voulons, Seigneur, te prier pour toutes les âmes qui nous ont laissées, en particulier les âmes du purgatoire, ceux qui attendent, Seigneur, ta miséricorde. Les âmes qui ont besoin de ta miséricorde, Seigneur, celles qui soupirent après toi. Seigneur, nous te prions, aie pitié de ces âmes. Aie pitié des âmes des défunts de nos familles. Aie pitié, Seigneur, des âmes des défunts que nous aimons, des personnes qui nous sont chères, les personnes qui nous ont quittés, les personnes qui ont laissé un grand vide en nous, Seigneur. Nous te prions de les accueillir dans ta demeure et que ces âmes puissent trouver grâce auprès de toi. Amen. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour, j'irai près du Seigneur. Passant mon temps à la louange.
travers ce chant, j'aimerais fortifier un frère ou une sœur qui a perdu récemment un être proche. Force à toi, courage à toi. Le Seigneur saura comment combler ce vide. Le Seigneur saura comment te remplir de sa force. Et pour toi qui n'arrives toujours pas à faire le deuil, tu as perdu quelqu'un, ça fait des années, mais tu n'arrives pas à oublier, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Dieu te fortifie, Dieu te rejoint, il est avec toi. Il saura combler ce vide. Aucun mot ne peut décrire, ou alors aucun mot ne peut consoler quelqu'un qui est en deuil. Mais Dieu seul, lui qui sonde nos cœurs et nos reins, lui qui nous connaît, lui seul peut parler à notre être intérieur, lui seul peut parler à notre cœur. Mais je veux que tu sois dans la joie, dans l'allégresse, dans la confiance. Que cette personne qui t'est chère, cette personne qui nous a quittés, cette personne est dans le ciel avec notre Seigneur. Alléluia. Dire à Jésus un grand merci. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Cette personne te le dit. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel, j'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas, j'irai. Nous allons prier pour le repos éternel de tous nos défunts. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors mon frère, ma sœur, je te souhaite une belle journée. Une journée priante surtout. Priant pour les âmes de nos fidèles défunts, en particulier les âmes du purgatoire et les âmes qui ont le plus besoin
de la miséricorde de Dieu. Et que par la miséricorde de Dieu, l'âme de tous les fidèles défunts repose en paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.